les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le plus bel item que j'ai pu vous présenter sur YouTube jusqu'à maintenant. Je vous ai fait énormément de présentations de matériel sur cette chaîne, mais je vous ai jamais présenté quelque chose de la valeur que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est juste une dinguerie. Je voudrais commencer par remercier Laura de chez Faber-Castell et Faber-Castell, la marque en elle-même, de me faire confiance et de m'avoir offert ce qui pour moi est le plus beau coffret de matériel à dessin du monde, clairement. C'est le plus beau et c'est pour ça que je l'ai choisi et j'ai beaucoup insisté pour l'avoir celui-là. Et ils ont accepté. Je vous le montre rapidement avant de faire le tour en détail et de vous parler du contenu, etc. Voilà à quoi il ressemble. Alors là, comme ça, il est plié. On a l'impression que c'est assez petit ou quoi, mais vous allez voir, déplié, c'est juste incroyable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce coffret gratuitement du coup. Pour remercier Faber-Castell, bah bien sûr, je fais une vidéo pour vous le présenter. De toute façon, c'est un plaisir et un honneur même pour moi de présenter un si beau coffret. D'ailleurs, pour ceux qui savent, je suis un fan de tout ce qui est statut, de présentation, de trucs comme ça, et je suis prêt à mettre pas mal d'argent dedans. Et pour un coffret comme ça, au-delà du matériel que vous pouvez utiliser, bien sûr, qui compose ce coffret, j'aurais pu mettre un prix comme ça, juste pour avoir un si beau coffret, juste de présentation dans mon studio YouTube, tellement c'est magnifique. Enfin bref, je sais que vous avez hâte de le voir. Je sais pas si je l'ai dit, mais bien sûr, je vous mets le coffret en description pour ceux qui veulent. Et dans cette vidéo-là, ça va être une review complète du coffret dans l'ensemble. C'est parti, je vous emmène. Moi je viens. Ah si, viens, coupe avec moi. Tiens. J'ai fait 2 mois dans le carton. Le carton dans les cartes. Vas-y, enlève le... Non, tu veux couper ça. Ouais. Wow, c'est lourd. Hein. Tiens le carton. Tu laisses loin comme ça? C'est bien le coffret que j'ai demandé. Mais bébé, c'est un carton, tu l'enlèves. Ah si, t'as raison, c'est ça. Oui, c'est celui que j'ai demandé, oui. Waouh. C'est d'aquarellable ça? Je sais pas. Bah, il y a totalement un pinceau dessus, donc oui. Donc t'as les normaux, genre les classiques, les connus là. Et t'as les mêmes, bah c'est les mêmes couleurs, ça se voit. Ouais, c'est exactement les mêmes couleurs en aquarellable. C'est stylé, hein. Et voilà les amis, je vous retrouve tout seul avec mon coffret. Bon, je vous l'ai déjà assez dit en introduction, mais là, vous le voyez déplié, déployé, j'adore. C'est limite si j'ose même pas utiliser le matériel qu'il y a dedans, j'ai envie de le laisser comme ça, tout neuf. Mais voilà, comme je vous ai dit, on va voir un petit peu en review de quoi elle est composée. Vous le savez, le matériel qui le compose, c'est pas le matériel que j'utilise le plus souvent. Moi, je suis un peu plus feutre. Ce qui ne veut pas dire que j'utilise jamais de crayon ou de craie, et puis là, ça va être l'occasion, ça va me pousser à utiliser un petit peu du nouveau matériel. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que voilà, je ne suis pas un professionnel et un expert dans ce matériel-là. Ici, du coup, nous avons des crayons de couleur aquarellables. Je vous montre un petit peu comment ils se présentent. Voilà comment ils se présentent. Made in Germany. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est bien sûr une marque allemande. Le petit logo pinceau, le logo Faber-Castell. Et là, nous avons l'intitulé de la couleur. Ici, l'élément central dans le coffret, en tout cas, ce sont les crayons aquarellables. Donc, ils ont ici une forme, comme vous voyez, un peu octogonale, là où les polychromos ont une forme circulaire. Et du coup, voilà comment se présente un polychromo. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous en présenter sur la chaîne, mais je vous les remontre. Made in Germany, encore une fois, Faber-Castell. Et ici, nous avons le nom de la couleur. Ici et là, nous avons des craies. On va prendre la marron, tiens, les plus faciles à prendre. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais juste d'en tenir une dans la main pour se rendre compte de la qualité. Donc Germanic Beat, Medium. Ça perd un petit peu de couleur quand on les tient dans la main. Voilà comment elles se présentent. Elles sont magnifiques, hein. Les couleurs sont très bien choisies. Il y a vraiment plein... même là, les couleurs
des crayons aquarellables et là des crayons polychromos. Les couleurs sont très bien réparties, on a vraiment un petit peu de tout. On a des bleus, des verts, des roses, des tons de peau, du gris, du jaune, du orange. Enfin, voilà, les couleurs sont vraiment bien choisies. Ici, pareil. Donc, c'est vraiment super sympa. Et là, du coup, nous avons bah, les petites craies. Regardez, c'est tellement satisfaisant. Elles ont chacune leur petite place dans la mousse. Et voilà comment ça se présente. On se rend compte de la qualité encore une fois, c'est magnifique. Et du coup voilà pour celles qui sont là. Donc ensuite ici nous avons là une petite gomme mie de pain. Alors pour ceux qui savent pas, la particularité de la gomme mie de pain c'est qu'elle est modulable. Alors celle-ci je ne vais pas l'abîmer, mais En gros, vous pouvez la modeler un peu comme une pâte à modeler. Et la particularité, c'est que vous pouvez éclaircir certaines zones juste en tapotant sans avoir l'action de frotter la feuille. Donc vous avez juste à tapoter comme ça et la gomme va absorber le graphite ou ce que vous avez déposé sur la feuille et va faire effet. Donc voilà, une fois qu'on aura absorbé trop de graphite, et ben, faudra la jeter ou la changer. Ici, nous avons un taille-crayon. Bon. Mais ce qui est cool, c'est que vous voyez deux tailles. Donc je pense que c'est fait pour justement tailler les crayons qui sont là. Peut-être ceux qui sont là et peut-être les estompes avec. Donc voilà, c'est cool d'avoir un taille-crayon sur mesure dans le coffret. Ensuite, du coup, ici, nous avons une estompe, comme je vous ai dit. Voilà, une estompe. Donc une estompe, ça sert à quoi? Ça sert à estomper tout simplement, une estompe en papier. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu plus à l'aise d'estomper avec mon doigt. J'ai toujours fait comme ça, mais c'est sûr qu'avec ça, vous serez toujours plus précis qu'avec votre doigt, et au moins, ça salit pas les doigts. Et ça s'utilise comme un crayon, c'est-à-dire que vous allez estomper, et une fois que le bout sera abîmé, vous taillez et vous continuez de l'utiliser, tout simplement. Alors, ensuite ici, je crois que j'ai déjà testé tout ce qui est là. Je crois qu'ici, on a des crayons. Pit charcoal. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Il faudra que je découvre. Mais on voit que la mine est très grosse à l'intérieur, hein. Il y a très peu de bois, si c'est du bois, et la mine est très grosse à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est du fusain ou je sais pas, ou de la pastel noire, je ne sais pas du tout. Il faudra que je regarde. Et ici on en a un deuxième. Hard. Donc ici on a un hard, 4 étoiles. Celui-ci c'était un médium, 3 étoiles. Il faudra que je les teste ceux-là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici on a de la pastel en crayon. Vraiment, tous les crayons sont super beaux et de très bonne qualité. Encore une fois, c'est Faber-Castell, hein. C'est la référence en termes de qualité dans le matériel de dessin. Donc on a trois coloris, du blanc, ça c'est excellent pour rajouter sur les dessins feutre à alcool, mettre de l'éclairage et tout, ça c'est j'utilise très souvent. Ici on a du marron, ici on a du noir. Et enfin pour terminer, nous avons ici un pinceau. Alors pourquoi un pinceau dans ce coffret? Tout simplement pour les crayons aquarellables. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser ça, vous crayonnez la feuille, vous prenez un pinceau comme ça que vous trempez dans l'eau et vous allez estomper avec votre pinceau bah, le crayon et ça va donner un effet aquarelle. Voilà, c'est magnifique. Et voilà les amis, on a fait le tour de ce magnifique coffret. Je suis très 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 content de le posséder, je suis très content de l'avoir en tant que tel, même si ce qui le compose, c'est pas du matériel que j'utilise tous les jours. Mais voilà, j'utiliserai de temps en temps et je pense qu'une fois que j'aurai suffisamment entamé un peu de matériel, bah je rachèterai du nouveau matériel pour remplir le coffret qui reste aussi beau, aussi frais qu'il l'est actuellement. Je suis fan, voilà, je vais vous montrer à la fin le meuble sur lequel je le pose et je le laisse comme ça à l'air libre. La seule chose, c'est que je couvre ici les craies par des choses qui sont déjà fournies. Donc on a ce petit plastique-là que je pose là tout simplement. Et on a également... Voilà, que je pose comme ça. Et je ne sais pas si c'est des plastiques anti-salissants ou alors si c'est fait pour justement que les craies ne s'abîment pas avec la lumière ou quoi, je ne sais pas du tout. Faudra que je me renseigne là-dessus. J'espère avoir bientôt une pièce dédiée à YouTube, donc vraiment un réel studio YouTube. Et j'essaierai de le mettre dans mon fond constamment dans mes vidéos, comme ça elle sera constamment visible. Merci encore à Faber-Castell de m'avoir offert ce magnifique cadeau. Je vous le mets encore une fois en description pour ceux qui le veulent. Je vais vous laisser là, le lien est en description et je vous laisse avec les images du coffret sur mon meuble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao tout le monde.